volontaire, on y arrive. Et aujourd'hui, on y arrivait. Et demain, on y arrivera encore. Merci les musiciens. Un petit mot maintenant pour vous souhaiter la bienvenue à vous les aînés. Les aînés, les nouveaux aînés, si je peux dire ainsi, que nous accueillons pour la première fois cette année. Bienvenue aux nouveaux résidents de Langy, c'est-à-dire ceux qui viennent d'intégrer le béguinage. Je les aperçois aux quatre coins de la salle. Et puis, bah, écoutez, j'espère que vous allez passer une agréable journée. Je remercie l'ensemble du conseil municipal qui a participé à l'organisation de cette journée. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont là-bas en train d'œuvrer derrière le bar. Et ils ont œuvré également encore ce matin. Je voudrais profiter de ce moment pour vous rappeler que la semaine prochaine, il y a également la cérémonie du 8 mai. C'est un autre rassemblement, mais c'est un moment qu'il ne faut pas oublier. Donc, le temps sera également de la partie, je pense. Hein. Donc, vous êtes les bienvenus à participer aux cérémonies commémoratives du 8 mai. Un petit point d'ensemble concernant notre maison médicale qui fait tant et tant parler d'elle. Je sais que vous êtes impatients et impatientes de voir arriver notre podologue et le futur médecin. Sachez que les infirmiers et infirmières ont déjà intégré les locaux, mais je ne vais pas rien dire contre l'administration française, mais nous avons quelques soucis avec France Télécom. Et donc France Télécom doit intervenir le 4 mai pour installer définitivement le téléphone au niveau de la maison médicale. Concernant notre jeune podologue, son dernier matériel arrive le 7 mai. Logiquement, pour mi-mai, il va pouvoir, je ne vais pas dire opérer ni pratiquer, mais vous aurez tout le loisir d'aller prendre rendez-vous pour vous faire soigner les pieds. Sachez que c'est un jeune. Pourquoi il est arrivé chez nous ici à Langy? Parce qu'il a pris par le milieu médical que nous étions reconnus en manque de médecins, de praticiens, et il s'est intéressé à Langy. Donc c'est une chance, une très belle chance pour nous, pour la commune, et puis pour les villages qui nous entourent. Concernant le médecin, je vais être très bref sur ce sujet. La recherche est toujours en cours. J'ai eu personnellement, je ne sais pas quel terme employer, une très grande déception. Mais après tout, je préfère qu'elle ait quitté les lieux, qu'elle ne reste à Blanchy et que de moi, après, elle nous quitte. Là, sur ce point. Mais sachez que nous avons à nouveau, au cours de ce mois de mai, une réunion importante en mairie, toujours pour ce sujet. J'espère et je reste convaincu, lorsque la volonté est là, je reste convaincu que nous arriverons à trouver un médecin sous Blanchy. Mercredi dernier, j'étais à nouveau en réunion avec Madame la sous-préfète sur ce sujet, en compagnie du docteur Delette de Fruges, qui est le président de l'association professionnelle de la santé. Parce qu'ensemble, seul, dans le domaine de la santé, on n'y arrive pas, et ce n'est déjà pas le domaine du maire, mais il faut travailler avec tout le milieu médical. Donc je reste convaincu, on va y arriver. Voilà ce que je voulais vous tenir informé. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on entend tellement, tellement de choses, tellement de bruit, il se dit tellement de vérités, de fausses vérités, qu'à la fin, moi-même, ça me décourage. Et je terminerai tout simplement en vous remerciant tous et toutes pour le soutien que vous m'avez apporté par rapport à quelques soucis de santé que j'ai eu. Je vous remercie tous, ça marque une forme de témoignage envers celui qui vous est dévoué. Je vous remercie.